Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le quatrième projet avec les produits Keepers. Donc là, j'ai fait du mix média avec les sheetboards. Donc là, voilà, les sheetboards. Et une planche, là, j'ai travaillé sur une planche en bois. Je me suis régalée. En plus, elles sont plus grandes que celles que j'avais eues chez Cultura. Donc franchement. Je me suis bien régalée. Donc, je vous montre ce que ça donne. Donc là, en fait, c'est juste recouvert de gesso et noir. Voilà. Et travailler après avec les cires vives. Ouais, j'adore. Franchement, elles ressortent super bien sur du noir. C'est une tuerie. Donc, le tuto, alors... Normalement, il devait être qu'en une partie et là, ça rentre pas, donc il sera en deux parties sûrement. Du coup, ce sera un peu n'importe quoi à la fin de la première partie et au début de la deuxième, puisque j'avais pas prévu de faire deux parties. Voilà. Donc, je suis venue. En fait, c'est les restes, les chiffres là. Je sais pas si vous les voyez. Il y a des chiffres romains. Voilà. Ça, c'est les restes des autres projets, les sheetboards pendules. Là, mais les chiffres. Là, le 8 aussi, le 6, le 0, voilà. Après, je suis venue mettre avec les sheetboards chaînes. Il y a des sheetboards chaînes, donc je suis venue en mettre partout autour. Donc voilà. Là, je vais rajouter un peu de vert peut-être. Ça, et là, je suis venue coller le sheetboard pendule avec les deux aiguilles. Là, j'ai mis le cadenas qu'il y a dans la même planche. Et ça, c'est les petites vis qu'il y a dans la planche. Rouages. Voilà, il y a des rouages. Les rouages viennent d'une planche sheetboard, en fait. Voilà. Donc, pour les cires, j'ai travaillé avec la dorée, avec celle-là. Alors, celle-là, c'est une tuerie. Franchement, je ne m'attendais pas. J'ai failli ne pas la prendre en plus. Mais je suis bien contente de l'avoir pris. Elle est superbe. J'ai travaillé avec la vert clair aussi. Et j'ai travaillé avec la marron. Et j'ai testé la bordeaux. D'ailleurs, je l'ai mal fermée. Voilà, la bordeaux. Mais là, sur ce coup-là, je suis un peu déçue parce que c'est pas le rouge. C'est pas un rouge. Moi, c'est plutôt un rouge rosé, là. Il fait un peu rose. C'est pas celui-là que je voulais, mais bon, j'en trouverai sûrement un autre. Voilà, mais c'est pas le bordeaux que je m'attendais. Donc, c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup en fait. Et du coup, après, je suis venue retravailler avec les autres patines. Donc, moi, je me suis servi de ces quatre. Voilà, et on fait cinq avec celle-là, mais bon, celle-là. Donc, voilà, bah, écoutez, j'espère que ce projet vous plaira. Bien entendu, comme d'habitude, je ne vous fais pas de kit. C'est à vous à me dire ce que vous. Aimeriez si vous voulez faire ce projet, si vous voulez tout, si vous avez déjà du matériel ou quoi. Donc voilà, c'est pour ça que j'appelle ça des projets et non pas des kits. Voilà, parce que c'est un peu particulier là. Donc voilà, mais écoutez, c'était une petite vidéo rapide puisque voilà. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez d'autres renseignements, si vous êtes intéressé. Je ne sais pas si vous aurez les tutos à la suite, puisque je pense que je vais essayer de vous mettre les vidéos des projets d'abord et après les tutos. Comme ça, vous verrez un peu tout ce qu'on peut faire et ce qui vous donnera ben, l'occasion de choisir, tout simplement. Petite info pour les commandes Keepers, du coup, vu les circonstances pour les renvoyer, pour les frais de port, du coup, je vais privilégier, enfin, je suis obligée de faire par Colissimo. Donc, je vais attendre de recevoir vos commandes en général, hein, sauf quand je connais le prix, mais voilà, suivant les commandes, je ne vais pas connaître le prix. Donc, je vais attendre de recevoir vos commandes pour pouvoir peser les colis, hein, avant de vous les renvoyer. Donc, ne vous inquiétez pas, si je vous dis que les frais de port, je les calculerai après. Voilà, là je vais, on est dimanche, donc je reçois la commande, je vais la recevoir sûrement vers jeudi, donc je pourrai sûrement pas envoyer toutes les commandes puisque vous avez été nombreuses là,
Du coup, voilà, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Hein. Mais c'est vrai que comme la poste travaille que 3 jours par semaine, du coup, ça devient délicat d'envoyer les commandes. Surtout qu'en fait, c'est par, il le récupère dans ma boîte aux lettres. Donc, ça devient compliqué. Voilà. Donc, c'était juste une petite info. Voilà. Je préfère, pour l'envoi, je préfère attendre de pouvoir vous le peser. Je ne vais pas vous faire payer plus cher. Ça coûte déjà assez cher. Et aussi, non, je ne vais pas vous faire payer moins cher et après en avoir pour ma poche parce que je l'ai déjà fait là et ça monte vite. Voilà. Du coup, les frais de port se calculeront après. Excusez-moi. Donc voilà. Donc, ben, sur ce, moi, je vous laisse. Je vous fais tout plein de gros bisous. J'espère vraiment que cette vidéo, que ce projet vous plaira. Et je vous dis à très vite. Donc, sûrement à demain, sûrement. Voilà. Donc, je vous fais tout plein de gros bisous. Et à très bientôt. Bye bye.